Bonjour, dans ce tutoriel nous allons créer un jeu de flashcards sur une thématique, à savoir les instruments de musique. Donc dans Google Drive, vous cliquez sur Nouveau, Google Sheet pour ouvrir une feuille de calcul. Ensuite vous pouvez lui donner un titre, par exemple les instruments de musique. Or, libre à vous de spécifier la famille, hein, par exemple les instruments à cordes, etc. Hein. Donc ici, nous allons faire cliquer sur module complémentaire, Flippity, et nous allons cliquer sur Pick a template, de façon à choisir parmi ici les exemples de Flippity. Hein, vous voyez, vous en avez de nombreux. Pour les faire défiler, il suffit de cliquer dessus. Ici, un jeu de pendu, du bingo. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Flippity Flashcards. Nous allons cliquer sur Use pour utiliser cet exemple de flashcard. Donc, nous pouvons pour l'instant fermer cette fenêtre en cliquant sur Close. Ici, eh bien, nous allons mettre ici Audio French. Ici, nous allons mettre Audio French. Alors ici, on peut mettre Known. Pourquoi? Parce que ce sera essentiellement des photos d'instruments de musique. Donc, nous allons effacer cette colonne, tout simplement. Nous allons également effacer cette colonne. Voilà. Alors surtout, ce qui est important, c'est de ne pas toucher ici à l'entête bleue. Donc désormais, nous allons choisir ici des instruments de musique, par exemple violon, guitare, ça ce sera la réponse, batterie, ensuite piano, et puis nous allons prendre un dernier instrument, basson. Ici, nous allons simplement mettre des adresses d'images. Alors, nous allons ouvrir un nouvel onglet et dans Google, nous allons rechercher donc un violon, tout simplement. Nous allons le rechercher en mode image. Alors ici, en termes d'outils, on pourrait cliquer sur taille et on va mettre moyenne, de façon à n'avoir que des instruments de taille moyenne. Donc ici, en cliquant sur CTRL-CLIC, hein, on va, vous voyez, afficher l'image. Et je vais cliquer sur copier l'adresse de l'image, tout simplement. Et je la colle ici. Ensuite, je dois chercher la même chose, mais pour cette fois-ci, une guitare. Donc, même type de requête. Hein. Tout simplement. Je suis toujours en mode guitare moyenne. Donc ici, j'affiche l'image, je récupère l'adresse et je colle cette adresse ici, tout simplement. La même chose pour une batterie. Alors, une batterie. Donc, par exemple, ben celle-ci elle est parfaite. J'affiche l'image et je fais copier l'image, ainsi de suite. Et puis je vais faire la même chose pour le basson. Je vous laisse le soin de faire celle pour le piano. Alors nous allons prendre celle-ci. Afficher l'image et nous allons copier l'adresse de cette image, tout simplement. Donc une fois que l'on a terminé, il suffit de cliquer sur module complémentaire, Flippity NetURL. En cliquant sur ce bouton Flippity NetURL, vous avez un lien vers une adresse que vous pouvez ouvrir dans un nouvel onglet. Et dans cet onglet apparaissent justement votre jeu de flashcards.
Par exemple, ici, on a le violon, la guitare, voyez, la batterie. Donc ici, le piano, on ne l'avait pas mis, hein, et le bassin. Donc ensuite, on peut le faire soit sous forme de liste. Alors, vous voyez l'intérêt ici d'avoir mis Audio French, c'est que si je clique sur violon, le petit haut-parleur, Violon. j'ai une voix de synthèse qui me dit ce que c'est, tout simplement. Donc ici, en termes de matching, hein, on a un jeu d'étiquettes qui permet d'associer, par exemple ici, le violon avec la réponse, etc. Ensuite, la batterie avec la batterie, et puis le basson avec le basson, et puis ici le piano avec cette image hein, qui est absente, qu'il aurait fallu compléter. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.